Hey, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo à J-18 de mon rendez-vous, celui que je vous propose, à savoir mon comic out, qui se jouera le 18 février prochain à Saint-Gilles-les-Bains, au bistrot Casse-Créole, un restaurant dans lequel vous allez vous régaler. Alors pendant toute cette soirée, je vais faire pour la première fois l'humoriste, c'est-à-dire que je vais monter sur scène et me confier à vous dans la plus grande honnêteté. Je vais me mettre à nu devant vous. Alors, vous vous dites peut-être, qu'est-ce qu'il va y avoir ce soir-là? J'aimerais justement vous faire part de quelque chose de très personnel. Je sais pas si je peux le dire comme ça. Allez, je me lance. Alors bon, voilà, en fait, pour être honnête, tout a vraiment commencé le jour où je me suis amusé avec mes boules pour la première fois. Ben oui, parce que le fait de les choyer, de leur donner de l'amour comme ça, de les caresser, de les dorloter, ça les a ravivées. Elles sont devenues comme souriantes. D'ailleurs, je pense vraiment que tout homme devrait jouer au moins une fois par jour avec ses boules. Oui, parce que quand tu joues avec tes boules, elles sont magnifiques, elles sont pleines d'envie, elles sont gonflées, elles sont heureuses. Deux boules heureuses, c'est deux boules soyeuses, parce qu'il faut les caresser dans le sens du poil, c'est important. D'ailleurs, vous pourrez les caresser aussi hein, le 18 février au bistrot Casse-Créole à Saint-Gilles-les-Bains, c'est promis. Tiens, le fait d'en parler, je me dis que peut-être que si je voulais présenter mes boules, ça vous ferait plaisir. Vous voulez aller les voir? Ok, alors attendez, je vous préviens, elles sont un peu différentes, hein. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est petite, une autre qui est grosse, une qui est plus poilue, une qui est un peu plus rose. Mais il faut pas leur dire, hein, elles aiment pas trop la discrimination. Ah ben elles sont comme ça mes boules. Ah ben non, c'est pas n'importe qui mes boules, c'est sûr. La preuve, quand je les ai présentées à ma grand-mère, elle a halluciné. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Alors vous pourriez penser que ma grand-mère en fait un peu trop, c'est sûr, mais pas du tout finalement. Parce que depuis que je m'occupe avec amour de mes deux boules, je peux vous dire que la chance n'arrête pas de me sourire. Alors si vous aussi vous voulez que ça vous arrive, rendez-vous le 18 février prochain au bistrot Casse-Créole pour mon comic out, parce que moi et mes deux boules, on vous attend. Je vous avais dit que j'allais vous présenter mes deux boules. Pardon, excusez-moi. Attendez, je vous les montre. Bougez pas. Regardez. Regardez comme elles sont belles. Regardez comme elles sont soyeuses. Ah, elles sont mignonnes. Elles sont tellement mignonnes. Vous voyez, ça c'est la plus grosse, la plus rose. La plus poilue, la rose est la plus douce. Alors par contre, j'arrive pas à leur trouver de surnom. Vous auriez des idées? Envoyez-les en commentaire. Bah des surnoms pour les deux boules, c'est important. Donc faut bien les caresser comme ça, dans le sens du poil. Hein? Rendez-vous le 18 février prochain avec mes deux boules pour mon comic out. Peace!